Nous recevons pour le jazzophone Alexandra Miller et ses musiciens. Alexandra Miller qui a ouvert pour le concert de Tony Green et Malted Milk ce soir au Forum Nice Nord. Donc Alexandra Miller, chanteuse, dotée d'un très joli brin de voix, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la grande tradition soul afro-américaine, et qui va nous présenter ses musiciens tout d'abord. Alors voilà, c'est notre formation, c'est Alexandra Miller and Metromantic. Et à ma droite, au trombone, beatmaking et à la basse, c'est Tayo. Tayo, voilà. Qu'on connaît puisqu'il officie aussi avec Jimmy Brown Experience. Et au piano. Et ensuite, à ma gauche, c'est le dandy Louis Granger. En personne. Alors, c'est un répertoire de compositions originales. On participe. Et nous avons fait combien 6 chansons originales et puis on a fait une cover juste pour le plaisir de reprendre, de faire des reprises. Voilà. Est-ce que c'est vous qui composez tout ou est-ce que c'est le groupe entier qui compose? Oui. Tous les trois, on compose notre musique et j'écris les textes. Bon. C'est un travail de groupe en fait. Absolument. Avec beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et c'est pour ça que chacun emmène en fait son expérience dans notre musique. Et je trouve que c'est ça qui donne la richesse en fait de notre musique. Parce que chacun vient d'un parcours différent et chacun emmène sa petite graine et ça fait une belle plante. Comment vous définiriez votre style de musique en général ? Un des trois, hein, peu importe. Bon, moi je dirais que ça se situe entre un orgasme de Hulk et donc ça peut être tout à fait violent et puis de temps en temps une espèce de fleur qui pourrait tomber sur un lac avec un romantisme comme un nénuphar, non? Oui. Hein. Alors plus techniquement, mais je peux, magnifique métaphore, moi je peux pas. Hulk et le nénuphar. On se retrouve tous parce qu'on aime les mêmes choses en fait dans la musique, qui sont le blues, la soul, la funk, mais aussi les musiques modernes, des groupes comme London Grammar ou des trucs beaucoup plus rétro comme Etta James ou du funk, Marvin Gaye, plein enfin, voilà, mais beaucoup dans la soul musique, enfin voilà le blues, mais avec des côtés modernes, donc on est bien la pop aussi. Hein. Oui. En fait, c'est le terme de Metromantic. Pourquoi on a pris Alexandra Miller and Metromantic? C'est parce que c'est pour définir en fait notre style de musique. Métro, qui est la signification du moderne, en fait. Urbain. Romantique, parce que nous avons tous une âme sensible, n'est-ce pas? Mais aussi le métronome. Oui, voilà. Aussi le métronome. Ouais. Donc, quand on a fait notre musique, on a écouté, et puis de suite, ce mot-là nous est venu tout seul, Metromantic, et c'était naturel pour nous, donc... C'est comme ça qu'on définit notre musique. Ouais. Ambivalence romantique. Voilà. Du romantisme. Urbain romantique, donc. Romantisme urbain, en fait. Oui, voilà, ouais, c'est ouais. Un mélange, parce que ça, c'est important, ça. C'est important. Je pense qu'il faut jamais l'oublier. On est tous aussi... on est tous touchés, concernés, et on a envie de pouvoir... je pense que le romantisme a toute sa place. Il ne faut pas l'oublier. Et avec nous, ça a une place... très importante. Très bien. Alors, content d'être en première partie de Tony Green, d'abord d'avoir joué dans cette grande salle. Très content. Très content. C'est un honneur. C'était une première en fait, puisque c'est le premier concert officiel qu'on fait où on joue nos compositions. Donc c'est vrai, c'était vraiment plus que c'est un aboutissement en fait de beaucoup de travail, beaucoup de temps et on est. C'est le début d'une grande aventure qu'on fait avec beaucoup de gens. Il n'y a pas que nous trois, il y a les ingé sons. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, la famille, les gens qui nous soutiennent. Et donc, on est très heureux d'avoir pu leur montrer notre travail. Pas que le travail, mais surtout de transmettre les émotions qu'on met, parce qu'on raconte notre vie aussi dans les chansons. Donc, d'avoir été choisi justement pour cette première partie d'un concert de qualité, parce que Malton Milk et Tony Green n'ont plus rien à
à démontrer. Donc pour nous, voilà, rentrer dans la cour des grands, enfin, entre guillemets. On démarre fort. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est flatteur. Très content. Je pense, ouais, moi, personnellement, que vous le méritez. Moi aussi. Toi aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, on, ouais, est très heureux d'avoir pu. On est vraiment honorés. Ça, plus avec Panda, qui connaît bien, enfin, je connais bien, parce que c'est un plaisir de travailler. C'est des gens qui sont vraiment super dans l'accueil. Voilà. Et puis il faut parler aussi du quatrième qui n'est pas là, enfin, Greg, l'ingénieur du son, qui fait aussi beaucoup, ouais. Voilà, dans le groupe qui a participé à l'enregistrement de l'EP qu'on va sortir vers le mois d'avril, donc assez rapidement. Donc vous pouvez aller sur le Facebook d'Alexandra Miller, plein d'infos, il y a des contenus, de la musique. N'hésitez pas à nous soutenir parce que c'est reste de l'autoproduction, donc de l'investissement personnel. Et il faut beaucoup de persévérance, comme tu le sais, Gilbert. Oui. On a des gens magnifiques, pas seulement musicalement, mais humainement, c'est des gens vraiment. C'est vraiment cool de faire de la musique avec eux. Du coup, j'espère que ça se ressent dans la musique et que vous viendrez nous voir. De partager ça justement avec le public, hein, parce que c'est pour vous qu'on le fait, donc on a hâte de voir leur réaction. Ça a été très chaleureux, l'accueil d'ailleurs. Oui. Très bon, très bon accueil, c'était vraiment agréable. Dès le début, il y a eu. Ouais. C'était un vrai plaisir. L'interaction, ouais, ils nous ont bien rendu le public, et c'était très bien. Mais c'est la récompense du travail qu'on a fourni depuis des mois. C'est qu'on a, voilà, on a envie de communiquer, c'est ça, nos compos, et puis elles sont bien passées, je pense qu'elles touchent, elles sont directes, elles sont directes. Comme je disais, c'est un peu l'orgasme de Hulk. Est-ce que vous pensez étoffer le groupe par la suite, prendre d'autres musiciens éventuellement? Bon, Taïn, toi, tu joues déjà à la basse et le trombone. Non, mais c'est pas. Ça arrive que des fois on intègre, mais comme tu le sais, le marché de la musique, c'est difficile de faire des groupes quand t'es plus de 3 ou 4, même à tourner pour les producteurs, etc. Donc. Nous, on est des gens, on s'entend bien à trois, c'est le noyau du groupe, c'est le groupe. Si un jour on est amené à jouer avec un orchestre, on dira pas non, mais ça restera toujours ce noyau-là. Et où on pourra rajouter des cuivres, un batteur, un mec qui joue du violon ou de l'accordéon, de la cornemuse, hein, qui sait, nous on est ouvert à tout. Aussi, qu'on aime beaucoup. Musique, voilà. Mais c'est vrai que pour des raisons. On sait, comme on n'est pas encore les Rolling Stones, il faut déjà qu'on a une route à faire qui est bien. S'il joue du pipeau, moi je veux. Merci. Donc bonne route et longue vie au romantisme urbain. Merci. Merci. À bientôt.